Parler d'elle hors du pays, elle a conquis la chapelle des vainqueurs, elle nous vient de la voix des vainqueurs, son maxi sort son album sort au mois de mars, on compte sur vous pour l'accompagner, pour propulser cet artiste, son nom commence par O et se termine par S. Sous votre acclamation, s'il vous plaît. Alors, c'est la servante, hein, c'est la chante Olive. Alléluia. Olive, c'est là. Amen. Je suis contente, très heureuse, et c'est un privilège pour moi, ce soir, d'être parmi mes bien-aimés. Alléluia. J'aimerais vous raconter cette petite histoire en une minute. Comment est-ce que Olive a commencé à chanter? Pourquoi est-ce qu'elle a commencé à chanter pour Dieu? Alléluia. Alors, ma fille va être clinique, comment déclarer drépanocytaire? Drépanocytaire. Je vais abandonner mes études. Je vais aller d'une structure hospitalière à une autre. Et là, je vais rencontrer un pédiatre qui va me dire, ma fille, est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie? J'ai dit non, j'étais une actrice de cinéma pour certains, pour des personnes qui regardent le cinéma gabonais. J'étais une actrice de cinéma, l'actrice principale de Patrick Bouémé. Il avait Chani, c'est beaucoup d'autres séries là. Donc j'ai dit non, il me dit non, il faut accepter le Seigneur parce que l'état dans lequel ton enfant se trouve est critique. Il faut accepter le Seigneur pour intercéder pour l'enfant. Alors là, je ne veux pas résister à la voix de Dieu. Je vais accepter Dieu dans ma vie et Dieu va restaurer ma fille. Voici ma raison de vivre. Alors je suis une folle amoureuse du Seigneur, folle, j'ai dit ça. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, aucun homme, aucun médecin ne l'aurait fait. Donc mon service est différent. Je ne veux pas comparer mon service au service de quelqu'un. Je suis une chante folle, folle amoureuse de Dieu. Parce que j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré la main de Dieu. Ça m'a touchée, j'ai été restaurée. C'est ma raison de louer. Alors ce soir, est-ce que je suis parmi les amoureux de Dieu? Aujourd'hui, je ne vais pas faire un live, je vais faire un playback, comme Aziz l'a si bien dit. L'album sort en mars. Amen. C'est un album de 6 titres. Il est intitulé Élevons son nom. Alors, ce soir, je vais vous faire le privilège d'écouter déjà deux chansons de l'album et un ancien titre tiré de mon ancien maxi single. Amen. Est-ce que tu es prêt à écouter?